Alors, le cosmisme, c'est un mouvement euh, qui est apparu en Russie à la fin du 19e siècle et euh, qui a continué en fait durant toute l'histoire euh, russe au 20e jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ça consiste euh, à dire qu'en fait, l'homme a une vocation dans le cosmos, dans l'espace, c'est-à-dire à aller dans l'espace, à, à à coloniser les planètes et puis d'un autre côté ça consiste aussi à dire que les phénomènes cosmiques ont une influence sur la vie de l'homme donc c'est vraiment l'idée que euh, l'homme sur Terre en fait il n'est pas seulement un individu attaché à la Terre mais euh, il a une sorte de vie cosmique et, et en fait la grande espérance du cosmisme c'est de faire en sorte que un jour on arrive à ressusciter les morts à devenir immortel et comme si on devient immortel, il y aura plus beaucoup de place sur terre, en tout cas pas assez, eh bien l'homme a vocation à aller peupler d'autres planètes. Le pionnier de la pensée cosmiste, il s'appelait Nikolai Fedorov, c'était euh, un bibliothécaire de Moscou, euh, pas du tout un homme de lettres, c'était quelqu'un qui, qui lisait beaucoup, qui apportait les livres aux étudiants et mais par contre qui était connu de tous les intellectuels de l'époque, Tolstoy, Dostoïevski par exemple. Et c'est quelqu'un qui avait un objectif, c'était que tous les hommes, euh, au lieu de se faire la guerre, s'unissent pour travailler, grâce au progrès scientifique de l'époque, pour essayer de reconstituer tous les aïeux, tous les ancêtres qui étaient morts, pour les reconstituer, reconstituer, et les faire revivre. Donc c'était vraiment l'idée, euh, lui il était très chrétien, il était très orthodoxe, son idée c'était véritablement de, de réaliser ici-bas la promesse de la religion chrétienne, qui est la résurrection des morts. Alors ça c'est Fiodorov. ça c'était à la fin du 19e siècle, mais ce qui est intéressant c'est qu'ensuite il a eu des continuateurs en Union soviétique. Et donc par exemple dans les années 1910, 1920, vous avez un, une sorte de... Un, un savant fou qui s'appelait Konstantin euh, Tsiolkovski, qui lui aussi pensait que l'homme était voué à devenir immortel, et donc qui a cherché absolument à créer des premiers engins pour nous emmener dans l'espace. Et donc il a construit des maquettes, il a créé des équations, il y a une très célèbre équation qui est toujours utilisée aujourd'hui dans l'astronautique qui porte son nom, pour euh, essayer de faire que l'homme aille vivre dans l'espace. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce Tsiolkovski, qui était un cosmiste, qui croyait en l'immortalité, il est devenu, pour l'Union soviétique, le, le parrain de la conquête spatiale. Dans les années 50-60, quand les soviétiques décident de lancer euh, des engins spatiaux et un homme dans l'espace, ils citent Tcholkovsky. Et, et aujourd'hui, par exemple, Vladimir Poutine a nommé une ville qui va devenir la, la ville... De la conquête spatiale russe, il l'a nommé Tsiolkovski. Donc c'est une pensée qui au départ est mystique, qui est souvent un peu excentrique, mais en fait qui a véritablement un, un destin euh, dans l'Union soviétique et même dans la Russie d'aujourd'hui. La Russie, euh, c'est le plus grand pays du monde et c'est une géographie qui a souvent été décrite comme très monotone, euh, très vaste, euh, très plate. Et donc euh, on dit souvent que le cosmisme, cette idée que que l'homme est voué à, à voguer dans l'espace, elle naît du rapport entre l'homme russe et cette terre, c'est-à-dire que le regard ne rencontre aucun obstacle, euh, l'espace est infini, et donc on a parfois l'impression que l'homme, dans cet espace russe, il flotte, il vogue. Et par exemple, il y a un géographe français qui s'appelle Anatole Leroy-Beaulieu, un voyageur qui a décrit la Russie, qui dit que l'homme russe, il, il, il est comme un... Cosmonaute presque dans cet espace, et qu'il a vocation à avoir des idées un peu folles, vaincre la mort, vivre ailleurs que sur Terre. Et donc, peut-être que, effectivement, le, le, la géographie russe, la nature russe, euh, a eu vocation à, à créer ce type d'idéologie. Idéo, alors Vladimir Poutine cite parfois des cosmistes. Il cite notamment le, le père de la conquête spatiale, Konstantin Tsiolkovski, parce qu'il veut qu'il y ait une idéologie russe de la conquête spatiale. Dans son esprit, les Américains, quand ils veulent conquérir l'espace, c'est dans, dans un esprit de domination matérielle. Alors que pour lui, dans son idéologie très nationaliste, l'idée est que les Russes font don d'eux-mêmes pour offrir à toute l'humanité la possibilité d'aller vivre dans l'espace. Alors. Vladimir Poutine ne parle jamais de l'idée d'immortalité euh, parce que c'est pas possible dans un discours d'un président de dire qu'on va chercher l'immortalité aujourd'hui. Euh, on sait par contre que Vladimir Poutine cherche à rester jeune très longtemps et très sportif. Donc peut-être que, peut que secrètement, Vladimir Poutine a des idées d'immortalité, mais en tout cas, il ne va pas les, les énoncer. En ce qui concerne son, ses actions actuelles, notamment euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine, on peut considérer que. Euh, c'est une sorte d'héritage de, de, de ce qu'on peut appeler le messianisme russe. L'idée que, pour certains penseurs russes, euh, eh bien la Russie est appelée à sauver le monde à devenir une idée, un phare pour toute l'humanité. Et donc aujourd'hui, euh, la Russie, euh, si elle doit devenir le, le centre de l'Eurasie, si elle doit devenir la nouvelle civilisation du futur, eh bien, elle obéit à une forme de messianisme. Et c'est vrai que le cosmisme est une des formes qu'a qu a eu le messianisme russe à partir du 19e siècle. Et on voit que ça continue jusqu'à nos jours.